Il y a des problèmes, il y a des voix de l'écho. Il faut aussi que les médias arrêtent de croire qu'il suffit qu'ils prennent la parole pour donner injonction. Moi qui suis là, je suis porte-parole. Plus de 50 journalistes m'appellent tous les jours. Et à ça, il faut nous donner des explications. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des procédures, il y a des mécanismes. Et c'est très important que vous, les médias, que vous puissiez respecter ça aussi. C'est important. Quand les problèmes se posent, il me semble que vous avez fait les cours au niveau de l'AC. Écoutez, l'AC, elle va faire remonter vos recours et puis vous donner des informations. Si vous faites les cours à une organisation qui est régulatrice aussi, et vous voulez avoir la réponse avant qu'elle-même ne vous saisisse, ce qui est clair, c'est que souvent, les gens prennent les studios de radio comme des tribunaux. Quand il y a un problème, vous avez des institutions, vous avez des acteurs auxquels il faut souvent s'adresser. Ce n'est pas dans les studios de radio qu'on traite tous les sujets. Et régulièrement, quand vous demandez aussi, on vous donne des explications, c'est de côté à touche et de dire non, ce n'est pas ça, c'est l'autre. Souvent, vous avez des réponses. Vous voulez quand même. Donc, toutes les questions qui ont été posées là-dessus, connaîtront la suite. Nous attendons d'être saisis officiellement parce que je ne viendrai plus jamais répondre à une injonction d'un journaliste quand il y a un problème. J'attendrai les voix de l'écoute officielle pour pouvoir réagir. Parce qu'à force de faire ça, personne ne prend la peine de considérer l'attention que nous faisons. Donc il y a eu des voix de l'écoute qui sont posées. Nous répondrons lorsque nous allons être saisis.